Salut les fans de Ride, aujourd'hui on va parler de la dernière vidéo de la fête de Cahors. Il s'agit du Magic Twist, et oui, ce Magic Twist que j'ai pu tester. Alors là on voit bien, l'animation est top. Je vous laisse d'abord avec la vidéo on Ride, on en discute un peu après. Oh!
Voilà, donc pour le Magic Twist, vraiment il est beau, je trouve qu'il envoie pas trop mal quand même pour un frais check. Et puis oui, l'animation est très sympa, le propos est très sympa. Après, il se trouve que par rapport à ce Magic Twist, c'était la première fois que je le voyais. En plus, on n'était pas nombreux dans le tour parce que voilà, j'ai dû vite partir après prendre mon train parce que je repartais chez moi, donc Cahors, j'ai pas pu rester très longtemps. C'est une très belle fête la deuxième fois que j'y viens, Cahors. En même temps, depuis Toulouse, quand je monte sur la ligne vers Paris, je m'arrête à Cahors, ça me coûte rien de faire Cahors niveau transport, donc je la fais tous les. Maintenant, je la fais tous les ans. Elle est en fixe dans ma tournée. J'aime beaucoup parce que vous avez aussi en plus dans les vies métiers que j'ai pas mis en vidéo, il y a le Crazy Dance et il y a aussi l'Oklahoma et divers stands, enfantins, voilà. Donc comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube, faire un tour dans la description. La prochaine foire, ce sera des vidéos bien sûr sur la foire de Bordeaux. Alléluia! Oui, si vous ne rêvez pas, enfin des vidéos sur la foire de Bordeaux. Alors on va commencer par une vidéo, la première. Je n'aurai pas d'intro. En fait, voilà, je vous le dis tout de suite. C'est une visite guidée de la fameuse tour Péberlan. Vous savez que habituellement, je monte en haut de la colonne des Girondins faire des photos de la foire. C'est pas possible tout le temps. L'an dernier, j'avais pas pu y aller, donc j'étais monté en haut de cette tour Péberlan qui est pas du tout à côté de la fête, mais comme elle est plus haute que la colonne des Girondins, on voit la grande roue, l'Infinity, le M65, la boule et le Banzai, tout ce qui est aérien en fait. Et en mars, on voyait le New World qui remplaçait l'Infinity. Alors du coup là, même si j'aurais eu accès au monument aux Girondins, j'ai dit je vais faire une vidéo sur cette tour Péberlan parce qu'on a une très belle vue sur Bordeaux et je vous fais visiter Bordeaux. Alors il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendrez. Donc je vous dis à très bientôt les fans de Ride pour faire des vidéos de Bordeaux. Vous avez déjà eu la vidéo du mois spéciale Bordeaux. On passe à plein 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 de vidéos sur Bordeaux. Voilà, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça, j'espère que vous aussi. Donc je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye les fans de Ride!